cette organisation de voyous. Ça va les arriver bientôt. Les scandales qu'ils cachent vont être livrés bientôt à la face du monde. Vous êtes procureur, moins zéro sur Calonde. Mais vous avez le courage de vous tenir comme on entend de la voix là et pégayer. Parce que c'est une incompétence, moins zéro sur Calonde. Moins zéro sur Calonde. Moins zéro sur Calonde. L'incompétence. C'est-à-dire, dans le sens de Babo, Babo a été déporté. Voilà. C'est une déportation, c'est une capture et une déportation. Qui nous rappelle une certaine époque? L'esclavage. Où on déportait les résistants. Après avoir massacré la population, on les déportait, on les gardait dans certains forts en France. Pour manifester ce que tout à l'heure a dit, le droit du plus fort. Et tout à l'heure, je reviendrai sur la brillante intervention de mon ami Taïou sur la question. Babo a été conduit comme ça à la CPI. S'il fallait la noter, elle aurait eu moins 0 sur 40. Moins 0 sur 40. C'est-à-dire qu'on aurait donné 0, elle aurait encore une dette de points à payer. Parce que c'est son incompétence. Vous êtes procureur. Vous avez sélectionné pendant des années des témoins à charge contre les gens. Ils arrivent dans votre tribunal, devant vous. Ils déchargent plutôt celui que vous avez voulu qu'ils chargent. Et vous avez le courage de vous tenir comme on est en train de la voir là et bégayer. Vous êtes procureur, moins zéro sur Calonde. Et vous avez le courage de vous tenir comme on est en train de la voir là et bégayer. Pour ceux qui doutent encore, ils ont eu la preuve que Mme Bensouda, c'est le degré zéro en termes de justice, même en termes de connaissances juridiques. Parce que c'est son incompétence, l'incompétence. Moins zéro sur Calonde. Moins zéro sur Calonde. Moins zéro sur Calonde. L'incompétence.